Bienvenue dans cette nouvelle semaine. Au début de cette semaine, on a bien visité Baños, la ville à 30 minutes de route d'ici. Une ville vivante, entourée de montagnes et qui bouge pas mal. Du coup, on en a profité pour faire la fête à l'équatorienne et tester tous les cocktails de Baños. Bon, heureusement, on n'a pas fait que boire. On est aussi allé faire des bains d'eau thermale à 42 degrés, de jour et de nuit. Et on est aussi allé visiter la cascade Machai, ma préférée jusqu'à maintenant. Ensuite, ils ont repris la route, direction la côte ouest. Et les journées sont devenues beaucoup plus longues pour moi. J'ai pas mal travaillé pour le volontariat. J'ai fait la vaisselle, j'ai coupé des légumes, j'ai passé le balai. Enfin, rien de très excitant. Et je suis aussi dog-sitter à mes heures perdues. Donc je fais des longues balades avec mes 4 seuls potes ici. Et j'ai pris le temps de me reposer. Ça fait du bien aussi de se poser un peu. C'est pas toujours reposant de voyager, faire son sac, le défaire, marcher, courir, nager. Pour la grande sportive que je suis, ça change pas mal de ma vie d'habitude. Et j'ai aussi fait un petit détour chez le tuteur. Désolée maman. Je pars bientôt d'ici et j'ai déjà hâte de découvrir de nouvelles choses. Ce que j'aime aussi en voyage, c'est que tu sais jamais quelle rencontre tu vas pouvoir faire à la prochaine étape. Qui tu croiseras ou pas. Je suis trop contente d'avoir rencontré ces deux-là. Je sais que nos routes se recroiseront bientôt et j'ai déjà hâte. À l'heure où je vous parle, je suis en route pour les îles Galapagos. Alors à la semaine prochaine!